sachant que Vichy, c'est mon club formateur, que j'ai joué pendant des années. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je suis à Cournon. Je suis très content d'évoluer dans ce club. Un derby, ça représente toujours quelque chose d'énorme pour un joueur. Ça veut dire voilà, derby en plus particulièrement pour moi forcément parce que c'est mon club formateur et l'envie de gagner est présente et je dirais même décuplée. Voilà. J'ai fait mon école de rugby à Vichy, donc ben forcément c'est un match un peu particulier puisqu'on va jouer contre des joueurs qu'on connaît et des gars qui habitent à côté de chez nous, donc ben voilà, c'est quelque chose toujours un peu qui nous met un peu des frissons et qu'on a envie de jouer. C'est un match tout particulier et on va les attendre avec beaucoup d'envie. Tous les joueurs se connaissent, voilà, il y a beaucoup de respect entre les deux clubs, je pense. Voilà. Les deux clubs ont des parcours différents, mais similaires à la fois sur la volonté d'évoluer et tout. Donc, ça va être un bon dimanche. C'est bien, il faut en profiter parce que peut-être que début 2022, on ne jouera plus. Donc voilà, il faut profiter de ce dernier match et puis se faire plaisir. Voilà. C'est un club qui est à 50 km, et ben on n'a qu'une seule envie forcément, c'est d'être plus fort que ses anciens coéquipiers et surtout les Vichysois. Voilà, donc sans pression, mais par contre, une envie de le jouer, bien sûr. Je pense que quand on parle de derby, qu'on soit 8e ou dernier, ça n'a pas de valeur et du coup il va falloir prendre ce match comme si c'était le premier qu'on recevait à la maison et on va les recevoir comme si c'était les premiers de la maison et on va faire un très très gros match, que ce soit dans l'investissement physique ou dans notre rigueur dans le jeu, et on va essayer de mettre tout ce qu'on travaille au quotidien en place pour que ben, ça se passe bien et qu'on ait une belle victoire ce dimanche. Vichy s'est reposé la semaine dernière hein, à cause de la neige sur le bassin vichysois, les terrains étaient impraticables. Donc nous, on allait jouer un match rigoureux, compliqué, avec pas mal. Donc voilà. Mais je pense que voilà, là, c'est 50-50. Je connais bien les Vichysois. Je sais qu'ils vont pas venir en victime ici. Ils vont jouer leur va-tout. Ils sont reposés. Je pense qu'ils l'ont bien préparé. Ils ont dû regarder les vidéos aussi. Donc voilà. Non, il y a après qui a de la pression. Oui, eux, ils ont rien à perdre. Ça, c'est clair. Donc ils ont tout à gagner sur un derby. Nous, peut-être qu'on aura un peu plus de pression, mais tant mieux. Peut-être ça nous fera du bien d'avoir un peu plus de pression, d'avoir un peu peur, et puis on verra si on est capable de faire un bon match. Je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un derby, hein. C'est tout ce que tout le monde attend, hein. C'est le match qu'on attendait. D'ailleurs, ils nous l'ont mis en dernier, il y a une bonne raison, et ça va être une très belle fête, un très beau match, j'espère, et voilà, on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions pour nous.